ça fait plusieurs années qu'on participe à la brocante. Là, pour le coup, j'ai vendu cette année des montres anciennes, des montres qui appartenaient à mon père. Donc c'est aussi une façon voilà, de montrer ce qu'on a tous finalement chez soi et qu'on propose aux gens. Et généralement, ils sont très contents, quoi. Donc on est très contents de participer à la brocante chaque année. Ah bah écoutez, depuis des semaines, je suis à réfléchir sur tout ce que je vais amener. J'ai beaucoup d'artisanats qui viennent d'Afrique de l'Ouest et j'ai des anciennes, de l'ancien matériel en cuivre pour les gens qui veulent encore décorer leur maison. Donc j'ai préparé, j'ai classé, j'ai mis dans des valises, j'ai mis dans des sacs. Et hier soir, c'était la grande ferouille. Et voilà, ce matin, nous sommes là. Très intéressant, j'ai fait un petit tour, je viens de terminer mon tour, je vais en refaire un pour aller voir les objets qui m'ont intéressé. Mais je trouve ça très bien, en plus il fait super beau. Eh bien écoutez, c'est une initiative qui remporte toujours beaucoup de succès, cette année encore 300 stands qui sont partis dans les premiers jours, donc on fait des heureux. Dans cette ville qui est un petit peu le grenier du monde, c'est un petit peu la tradition aussi, donc on la perpétue au travers de la brocante, qui est un événement populaire, un petit peu festif parce que ça se passe dans une bonne ambiance. C'est très agréable et très sympathique. Ah, par rapport aux années précédentes, il y a plus de monde. Donc déjà, on est mieux parce qu'il y a du soleil, tout le monde vient. Même s'il y a la fête, il y a des fêtes à côté, la fête du patrimoine, il y a beaucoup plus de monde et c'est top. Bah, c'est un événement régulier maintenant. Elle est montée de plus en plus en puissance. Ce matin, les Audoniens étaient prêts, il y avait la queue. Voilà, c'est une bonne ambiance et je pense que ça va s'élargir au fur et à mesure. Quand on s'appelle Saint-Ouen et qu'on a le plus grand marché opus, le recyclage, on le fait depuis 120 ans chez nous. Ce n'est pas une nouveauté, c'est une tradition. J'étais à l'ouverture des ventes des places. Bah, important parce que je suis audonienne et parce que j'ai envie de montrer aux gens ma deuxième passion, qui est la brocante. Donc oui, c'était important. Ouais. Nous, on est restés à la maison pendant que papa et maman, ils mettaient les affaires, ils organisaient tout et ils sont venus nous chercher. Et après, on a fait les vendeuses. Il faut essayer d'avoir le sourire pour pas trop... Voilà, et bah, tu leur dis que c'est pas cher, que c'est de bonne qualité, tout ça. Bah en fait, on a surtout vendu nos vieilles affaires, nos vieux jeux, nos vieux livres, tout ça. Ça a été difficile de s'en séparer parce qu'on avait des souvenirs avec, mais ça allait sinon. Pour moi, c'est plus sentimental sur les objets, mais je comprends que c'est important pour la planète. Il y aura d'autres gens qui seront contents d'avoir le jouet que nous, on n'en voulait plus. La brocante de Saint-Ouen.